Ah bah bravo Bruno, du coup comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, j'ai cassé ma plume de verre que je viens de m'acheter. Génial! J'ai voulu tout simplement la transporter pour l'amener quelque part. Et donc l'emballage qui est ceci, sachant que j'ai pris la plume la moins chère, et ben voilà, ça se tord dans tous les sens. Donc du coup, il y a un bout qui s'est tordu et ici, ça ne se voit pas, mais j'ai cassé juste le tout petit bout de la pointe, qui fait que du coup, bah maintenant, ça coupe, ça arrache le papier, c'est inutilisable quoi. Ah, qu'est-ce que je suis con. Enfin bref, tout n'est pas perdu et c'est aussi ce pourquoi je vous fais une vidéo pour vous parler uniquement de ça, c'est que j'ai essayé de limer le bout en fait pour polir un petit peu le verre, voyez, et je vais vous montrer deux trois petits tests qui au final du coup, ben au lieu d'avoir une pointe fine, on a maintenant une pointe biseau. Et donc du coup avec un côté fin, un côté large et la plume refonctionne de façon tout à fait convenable, voilà. Franchement, c'est plutôt pas mal, hein, regardez ça. Voyez donc par vous-même, chers amis, ce n'est pas parce qu'on brise ou qu'on endommage un outil qu'il en devient totalement inutilisable, ça devient beaucoup trop proche entre nous. On peut tout simplement se creuser les méninges pour arriver à en trouver une nouvelle utilisation. Même si du coup, ben, ça le modifie peut-être, mais voilà. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'avais juste envie de vous partager ma haine d'avoir cassé cet outil qui est pour moi génial, et en même temps ma joie d'avoir trouvé une nouvelle utilisation. Voilà, allez, ciao tout le monde.